Bonjour tout le monde. On est très content de vous accueillir ce soir. Donc, moi, je suis Susanna, je suis cofondatrice de We Do Good. Je suis avec Jean-David, également cofondateur de We Do Good. Bonjour. Et pendant cette petite heure, on va avoir le plaisir de vous présenter trois projets qui sont en cours de levée de fonds sur We Do Good. Voilà, on accepte des personnes au fur et à mesure, donc ça va bloquer un petit peu au début, mais ça sera un peu plus fluide au fur et à mesure. Normalement, vous avez tous vos micros éteints, c'est normal, c'est juste pour ne pas avoir de bruit de fond. Vous pouvez le réactiver à tout moment, pas pendant les pitchs des intervenants, mais pendant les moments d'échange. N'hésitez pas à utiliser le chat, donc si vous avez déjà des questions en tête, des choses que vous aimeriez dire aux projets qui sont là ce soir, n'hésitez pas. De toute façon, on surveille le chat, on va répondre au fur et à mesure. Voilà, on va commencer par vous faire une petite présentation rapide de We Do Good et du modèle de financement Aureatis, parce qu'il y a parmi vous certaines personnes qu'on ne connaît pas, donc peut-être que vous ne connaissez pas non plus. Et ensuite, chaque projet aura 5 minutes pour se présenter et on aura 10 minutes d'échange avec chacun. Donc voilà, ça va être normalement si on va réussir à respecter le timing et à faire tout ça en honneur. Donc je vais partager mon écran avec vous. C'est parti. Et je laisse la parole à Jean-David. Donc, We Do Good, on existe depuis 2013. On a lancé l'entreprise en 2013. Et depuis 2013, on a donc développé un nouveau modèle de financement des entreprises qui s'appelle le financement en échange de royalties. Financement qui a permis de financer 95 entreprises, plus toutes celles qui sont bien évidemment en cours de levée de fonds actuellement, pour environ 4,5 millions d'euros et avec 4 500 personnes, des investisseurs qui ont mis des montants qui varie de 10 à 100 000 euros par personne. Donc très très varié. Notre ambition, c'est de permettre vraiment à chacun de participer avec ce modèle de financement royalties à l'économie réelle, de pouvoir investir son argent dans des projets qui vous parlent. Donc le principe, c'est que vous pouvez choisir, bien entendu, sur We Do Good les projets qui vous intéressent. On peut garder les informations sur ces projets, investir le montant de votre choix à partir de 10 euros. C'est vraiment la limite minimum. L'entreprise, si elle atteint le montant qu'elle a demandé au minimum, donc vous le voyez, il y a toujours une petite jauge de progression sur les projets en cours, elle récupère les fonds et se développe conformément aux informations qu'elle a communiquées. Et puis, vous recevez donc à partir de là des royalties tous les trimestres pendant 5 ans. Alors, pourquoi les royalties, c'est différent des autres modèles de financement, en plus de ce que Jean-David vous a déjà dit? Ben, en fait, les intérêts sont alignés entre vous, investisseurs, et les porteurs de projets. Vous avez un seul intérêt, c'est que l'entreprise se développe et qu'elle fasse du chiffre d'affaires. C'est aussi un modèle beaucoup plus simple que d'autres solutions de placement. Vous n'avez pas à participer aux assemblées générales, vous avez pas à donner votre avis sur la vie de l'entreprise, sauf si vous le souhaitez. Tout est produit de manière automatisée par la plateforme. Donc, même au niveau fiscal, c'est assez simple à gérer. Et ensuite, bah, votre retour, il va être progressif. Vous allez avoir, à chaque fois que l'entreprise va faire du chiffre d'affaires, vous avez commencé à recevoir des royalties, probablement assez peu au début parce qu'on commence l'activité progressivement, mais au fur et à mesure que l'activité se développe, vous allez recevoir de plus en plus de royalties. Et le dernier aspect, c'est que vous avez un impact direct potentiellement sur le développement de l'entreprise auquel vous avez contribué. Si vous avez investi dans une entreprise et que vous communiquez, vous parlez de cette entreprise autour de vous, que vous contribuez au fait qu'elle a plus de clients et que ces clients dépensent de l'argent chez elle, bah vous contribuez directement à votre retour sur investissement. Donc les royalties, ce sont bien sûr un pourcentage, je ne sais pas si on l'a défini très clairement, un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je vais passer un petit peu vite dessus. Donc en fait, vous achetez un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise sur laquelle vous investissez, ce qui fait effectivement tout ce qu'expliquait Susanna, à savoir la transparence. Et puis évidemment, tout le monde a intérêt à ce que l'activité de l'entreprise se développe.
Évidemment, c'est un investissement risqué parce que nombre d'entreprises sont en cours de démarrage ou de développement. Une entreprise, c'est une aventure. Et quand vous investissez sur une entreprise, eh bien, vous prenez le risque que cette aventure n'aille pas à son terme. Et donc, forcément, vous vous retrouvez avec un risque de perte intégrale ou partielle de l'investissement. Donc, nous, on n'est pas conseiller en investissement. On ne dit pas ce projet-là a un super potentiel par rapport à un tel. On va vérifier que les projections sont justifiées par chaque entrepreneur qui est à même d'expliquer son projet. Et c'est à chacun de se forger une opinion, du coup, pour décider d'investir ou pas. L'avantage des royalties, c'est que, bien sûr, donc, vous avez ce risque de perte si le projet ne fonctionne pas. Maintenant, c'est un modèle qui permet de réduire progressivement son risque. Tous les trimestres, vous recevez un pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui permet de récupérer petit à petit votre argent. Ce qui fait que même sur les projets qui ne fonctionnent pas, vous récupérez quand même une partie de votre investissement, parfois une partie assez importante. Ce sont des choses que vous pouvez regarder sur les statistiques de We Do Good. Et puis, la manière dont on a conçu les choses, nous, notre rôle en tant qu'intermédiaire We Do Good, c'est vraiment d'équilibrer la relation entre l'entreprise et ses investisseurs. Et en fait, on a été au bout de cette logique en se disant que si l'entreprise fonctionne sans être extrêmement rentable, c'est un projet qui marche mais qui ne rapporte pas forcément énormément d'argent, si vous n'avez pas récupéré votre argent au bout de 5 ans, l'entreprise est engagée à continuer à vous verser des royalties jusqu'à ce que vous soyez remboursé. Donc le seul cas en fait où les investisseurs perdent de l'argent, c'est vraiment si l'entreprise s'arrête totalement. Tant qu'elle continue, elle est censée à minima vous rembourser. On n'est pas conseiller en investissement, mais il y a des choses qu'on peut vous dire qui relèvent quand même de bon sens. Le fait de ne pas passer tous ses œufs dans le même panier, donc d'où le petit picto, ça c'est du bon sens. Le fait de ne pas dépenser de l'argent dont on a besoin pour le quotidien, ça aussi c'est du bon sens. Donc quand vous investissez, gardez ça en tête. Et si on vous parle de risque alors qu'on devait vous présenter des projets et vous inciter à investir, c'est aussi parce qu'on est dans une activité qui est réglementée. On est régulé par l'État et on travaille avec un prestataire de paiement qui va gérer tous les flux de paiement, toutes les transactions. Quand vous investissez, en fait, l'argent ne passe pas par nos comptes, il passe par un compte tiers qui appartient à Lemon Way et qui travaille avec BNP. Donc tout ça, c'est sécurisé et réglementé. Donc, on a parlé de risque, mais il y a aussi, bien sûr, le potentiel que peuvent avoir les projets sur lesquels vous investissez. Donc, bien sûr, quand on investit sur une entreprise, on investit surtout sur une aventure, sur la résolution d'un problème, souvent avec une dimension aussi sociale et environnementale, que vous pouvez voir donc, sur la description de chaque projet. Et sur chaque projet sur WeDoGood, vous retrouverez aussi ce petit calculateur-là qui vous permet de simuler si ça se passait comme prévu. On est bien sûr dans les hypothèses, hein, on ne peut pas prévoir l'avenir. Si ça se passait comme prévu, si ça se passait très bien, voilà combien est-ce que vous pourriez gagner. Donc, il suffit de remplir un montant, n'importe lequel, de faire le petit calcul pour voir ce que ça représenterait en termes de royalties chaque année. Et c'est différent pour chaque projet. Donc ça, c'est un petit outil assez simple que vous pouvez utiliser sur la page de chaque projet. Et voilà, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie de découvrir des projets et d'échanger avec eux. Donc c'est parti. On a le plaisir d'avoir ce soir Marie qui va nous présenter Cocotte, Yann qui va nous présenter Taglat et Julien qui va nous présenter La Tribu. Donc on aura 5 minutes par pitch. Donc j'invite Marie à se préparer, à partager avec nous sa présentation. Et c'est parti. Hop. Bonjour à tous. Un grand merci d'assister à ce webinaire. Je suis très heureuse d'y participer. Merci We Do Good pour votre confiance. Alors, moi, c'est Marie. Donc, je suis en charge de la communication chez Cocotte. Bien sûr, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée donc, de toute la team ici. On peut retrouver donc Olivier, le fondateur, et qui est en charge de la stratégie et de tout l'aspect technique, qui est accompagné de Valentin, Vincent, Jérus, Etienne, Pascal et Alexandre, la team développeur, et puis Flora et moi, la team com et marketing. Pardon. Donc, nous avons la chance de compter sur PublishIT, donc une agence web également fondée par Olivier, qui en quelque sorte nous porte quotidiennement et qui nous apporte toute son expérience et ses compétences.
Donc, on est une équipe assez complémentaire et soudée, experte dans son domaine qui fait, je pense, la force de Cocotte. Donc, aujourd'hui, Cocotte intervient sur le marché du e-commerce. Donc, c'est un marché qui a un très fort potentiel en France. En 2019, le e-commerce a franchi la barre des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon la FEVAD, hein, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Donc, ce qu'on peut observer également sur ce marché, c'est qu'il est dominé par quelques acteurs que vous connaissez certainement, donc Amazon, Cdiscount, la Fnac, etc., qui concentrent la majorité du chiffre d'affaires de ce e-commerce. Cocotte, aujourd'hui, a la volonté de disrupter ce marché et se présente comme l'alternative à cette plateforme. Comment ? Donc en proposant une solution de shopping responsable et locale aux consommateurs. Comment procédons-nous ? Alors, Cocotte souhaite apporter un peu plus de transparence aux produits. Donc nous avons créé l'EcoScore, une note qui va de A à F, qui permet de connaître l'éco-responsabilité des produits. Donc en résumé, plus c'est direct, plus c'est proche du consommateur, plus c'est certifié, mieux le produit sera noté et donc plus il aura un impact positif sur l'environnement ou sur la société. Puis nous souhaitons partager nos revenus avec nos utilisateurs. Pour cela, nous avons créé un système de cashback, le coco. C'est très simple, sur Cocotte, 1000 cocos égale 1 euro. Donc c'est un programme de fidélité qui va permettre ici de gamifier un peu la Cocotte. Et puis évidemment, plus l'utilisateur privilégie des offres avec un bon éco-score, plus il recevra des cocos. Et puis, nous souhaitons être équitables avec tout le monde, avec les consommateurs évidemment, mais également les boutiques qui ne bénéficient pas toujours des meilleures conditions sur les plateformes qu'on connaît. Pour cela, sur Cocotte, il n'y aura pas de mise en avant sous forme d'enchères. Les mises en avant, c'est selon les critères des utilisateurs. C'est très important pour nous, ces points-là. Et puis, Cocotte, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un comparateur, ce que vous pouvez découvrir actuellement. Donc, c'est très simple. Nous, on affiche les différents produits, puis on renvoie les utilisateurs vers le site internet marchand ou vers la boutique physique. Et puis, en septembre, arrive la marketplace. Là, l'utilisateur va pouvoir acheter directement sur Cocotte. C'est plus simple. On va pouvoir faire des achats multi-boutiques. Cocotte, donc où en est-on ? Donc, on est créé en 2017. Et puis, l'année dernière, nous avons déjà pu réaliser une levée de fonds avec Withwood, qui s'est plutôt très bien passé puisque nous avons atteint 165% notre objectif initial. Soit, nous avons récolté 165 000 euros. Donc, on en est très content et je tiens encore une fois à remercier tous les investisseurs qui nous ont fait confiance. Cette première phase nous a permis de financer un premier budget de communication et de marketing, le versement des cocos et le développement de l'application mobile qui arrivera très prochainement. Et puis cette phase 2, donc celle qu'on est actuellement, va permettre de financer la marketplace, l'intelligence artificielle qui sera intégrée sur la plateforme, l'offre C2C, un peu comme Vinted, le bon coin, et B2B. Et puis la phase 3, dans un aspect un peu plus lointain, l'ouverture à l'international, en commençant par les pays limitrophes comme l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, et puis beaucoup plus loin, on l'espère. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez désactiver vos micros, si vous voulez. Sinon, vous pouvez poser des questions sur le chat et on les reprend oralement, il n'y a pas de souci. Donc, il y a déjà une première question de Léa. Quels sont les critères utilisés pour la notation des produits ? Alors, pour noter l'EcoScore, on a 4 critères. Donc, le premier, c'est les labels et les certifications. Donc, est-ce qu'il est made in France, bio, issu du commerce équitable ? Le deuxième critère, est-ce qu'il est neuf, de seconde main,
recyclé, etc. Le troisième, est-ce qu'il est direct producteur? Et pardon, le quatrième, excusez-moi, je suis désolée. C'est pas grave, c'est normal, c'est le réel. Je suis désolée. Mais voilà, l'idée ici, ouais, c'est de récompenser un produit qui a un impact écologique, enfin, qui n'est pas néfaste pour la planète, qui n'est pas néfaste pour les populations également. Ça marche, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions par rapport à Cocotte? Et puis si je peux rajouter quelque chose, c'est que sur Cocotte, on essaie de comment on privilégie le local, c'est en permettant aux utilisateurs de se géolocaliser. Donc en fait, plus l'utilisateur se rapproche d'un produit, plus le produit sera responsable. Donc l'aspect local est très important aussi pour nous. Super. Merci. Alors, il y a une autre question. Le développement de l'intelligence artificielle, pour faire quoi? C'est parce que sur Cocotte, il y aura beaucoup d'offres. On compte avoir énormément d'offres, donc on veut que la recherche produit soit pertinente pour l'utilisateur. Bah, qu'il est quand il tape un vélo, il est un vêtement. Enfin voilà, faut que ce soit pertinent et c'est pour ça que l'intégration de l'intelligence artificielle est importante pour nous. Quelle est votre nouvelle question? Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui et la projection à 3 ans sur l'activité de Cocotte? Alors notre chiffre d'affaires actuellement, on en fait pas puisque nous n'avons pas encore notre marketplace qui arrive en septembre. Et puis sur notre comparateur, en fait, on a une offre freemium et une offre premium. Et cette offre premium n'est pas encore active. Elle le sera dans quelques mois. Donc pour l'instant, Cocotte ne génère pas de chiffre d'affaires, ou très peu, parce qu'on a aussi des offres d'affiliation qui nous permettent de générer un petit chiffre d'affaires. Et notre projection à 3 ans, je me permets de regarder mes chiffres, on pense à 900 000 de chiffre d'affaires. On est sur un modèle qui peut grandir très vite et qui est parlant pour le consommateur. Ouais, à part le chiffre d'affaires, est-ce que vous avez d'autres indicateurs d'activité de type le nombre d'utilisateurs déjà actifs, le nombre de visites Alors là, actuellement, nous avons par mois environ 3 000 utilisateurs. Alors, c'est un début, c'est pas énorme, on le conçoit, mais ce qui est déjà très positif, c'est qu'on a un faible taux de rebond. Donc, c'est que le site Cocotte peut plaire et peut être utilisé. Donc, on est déjà très, très content des résultats. Super. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, une autre question, si on devait résumer les raisons d'investir sur Cocotte, quelles seraient les 3 raisons d'investir aujourd'hui sur Cocotte? La première raison, je dirais, pour sa mission responsable, on souhaite promouvoir l'achat écologique, local, plus équitable. Donc, on a vraiment cette volonté d'accompagner les consommateurs dans leur changement d'habitude de consommation. En deuxième raison, c'est vrai que Cocotte a la chance d'être gérée en interne par une équipe de développeurs de Publish IT. Donc, toutes les compétences sont internes. Publish IT a déjà pas mal d'expérience dans le web. Donc, on ne se lance pas à tête baissée, quoi. On est préparé. Et puis, Cocotte a déjà 2 000 marchands qui lui fait confiance. Donc, ça nous permet d'avoir un certain nombre de produits et c'est un très bon début. Super. Et on a eu peut-être la question, ce sera la dernière question. Du coup, est-ce que vous comptez créer une sorte de label Cocotte que les produits pourront ensuite mettre en avant? Un peu comme les produits qui auraient des bonnes notes sur l'application Yuka, qui permet donc de noter des produits alimentaires. Pourquoi pas? On n'a pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que l'idée de l'éco-score, c'est un peu comme Yuka, donner une note aux produits et puis apporter
quelque sorte une certification de l'impact, l'impact des produits. Après, Cocotte va aussi donner des avis sur les produits, donc va demander aux utilisateurs de donner leurs avis sur leurs produits pour les tester. Donc oui, certains, on pourrait pas dire ça un label, mais en tout cas, il y a la Touch Cocotte, oui. Super, merci. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera toujours, Marie va rester connectée, et du coup, ce sera toujours possible de lui poser des questions sur le chat, elle pourra vous répondre par écrit. Voilà, n'hésitez pas juste à préciser que la question est pour Marie. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver toute la présentation du projet Cocotte directement sur WeDoGood, donc il suffit de se rendre sur les projets et de cliquer sur le projet Cocotte. Tout à fait. N'hésite pas à partager le lien de la présentation dans le chat pour qu'on puisse accéder directement. Marie. Oui, bien sûr, je le ferai. Merci beaucoup. Alors, on passe du coup au deuxième projet de ce soir avec Tag Labs et Yann. Donc Yann, est-ce que tu peux partager avec nous ton écran? Et remettre ton micro aussi. Oui, bien sûr. J'apparais toujours en miniature parce que je ne savais pas s'il fallait que moi, je me mette en plein écran pour commencer et puis présenter après. En fait, je crois que c'est à chacun de choisir son affichage sur son ordinateur. Donc, OK, bon, je vais présenter l'intégralité de mon écran. Ce sera plus simple. Et elle, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est nickel. Ok, donc oui, alors je me présente Yann Kor, je suis fondateur de l'entreprise Tag Labs qui existe depuis mi-2017. Alors déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont manifestées pour ce webinaire. Alors nous, on est sur un sujet très technologique puisqu'on développe en fait un logiciel ScanSap qui permet d'exploiter les mesures 3D qui s'appliquent aux chantiers de rénovation, que ce soit sur des bâtiments industriels ou des bâtiments classiques. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet sur le pourquoi du développement de ce logiciel. Alors, il faut savoir que les chantiers de rénovation subissent d'assez nombreux imprévus qui, bien souvent, sont liés au fait que les plans ne sont absolument pas à jour parce que ce sont des bâtiments anciens. Alors, le parallèle que je fais souvent, c'est les cartes routières. Si vous prenez la route avec une carte qui a 20 ans d'âge, vous risquez de vous retrouver face à des giratoires, à des sens interdits, des bretelles d'autoroute qui n'existaient pas sur votre plan. Et du coup, vous perdez du temps, vous faites des détours, vous prenez même des risques. Sur les chantiers de rénovation, c'est un petit peu pareil et je l'ai illustré par la petite image. Avec en rouge un réseau de tuyauterie tel qu'il était prévu par les études et qui en fait percute les structures qui sont sur le site industriel, et en vert, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc là, typiquement, on est dans un cas qu'on rencontre tous les jours sur des chantiers avec des équipes qui sont obligées de réadapter leur travail. Donc elles perdent du temps, elles prennent des risques, le chantier prend du retard et ça coûte de l'argent. Alors, depuis quelques années, on peut faire scanner les bâtiments en 3D avec des équipements de géomètres qui récupèrent des millions de points de mesure, qui s'appellent des scanners laser. Malheureusement, les données qui sont récoltées sont très difficilement exploitables par des non-spécialistes de la 3D. Pour reprendre le parallèle avec la route, ce scanner 3D, c'est un petit peu comme le satellite GPS qui récupère des données et qui les envoie. Et si vous récupérez ces données brutes dans votre voiture, vous n'en faites rien. Il vous faut un TomTom ou une Google Map pour pouvoir vous diriger. Et donc, c'est ce que nous, on fait en développant le logiciel ScanSap, dont vous voyez une capture d'écran. Ce logiciel permet en fait d'exploiter cette mesure 3D de façon optimale et facilitée pour tous les acteurs des chantiers. Alors, la capture d'écran que vous voyez là, c'est une vraie capture d'écran. C'est pas un montage, hein, le produit est déjà en cours de développement. Et donc, le but, notre proposition de valeur, c'est d'accélérer les études techniques, donc de les rendre plus rapides et également plus fiables, de manière à limiter au maximum les imprévus sur les chantiers. Alors, ça a un effet également indirect. Quand on limite les imprévus sur un chantier, ça signifie qu'on réduit également les transports, les réapprovisionnements. Un chantier qui est mieux préparé, c'est également moins de risques qui sont pris par les monteurs. Et bien entendu, on vise également une économie sur l'ensemble du chantier.
Alors, notre modèle économique, ce sera une vente par abonnement, mensuel ou annuel, avec des packages de formation, de support et également des adaptations de fonctions pour des grands comptes. Alors, le marché et ses perspectives est en forte croissance. Il faut savoir que le marché du scan laser 3D dans le monde est projeté à plus de 4 milliards de dollars pour 2023. Donc, ça augmente chaque année. Ça rentre dans le cadre de la transition numérique du bâtiment. Il faut savoir que la cible est assez colossale parce que potentiellement, toutes les entreprises qui ont besoin de faire de la mesure sur un chantier, et elles sont nombreuses, sont des cibles potentielles. Alors, je peux vous donner quelques indications. Alors, on fait déjà un peu de chiffre d'affaires avec des briques logicielles et des ventes de plugins. On a à l'heure actuelle, un mois avant le lancement, un panel de 15 testeurs qui représente à peu près un récurrent de 30 000 euros annuels. On intervient beaucoup sur des forums spécialisés et moi, je totalise déjà plus de 10 000 vues, ce qui, sur un produit qui peut paraître un produit de niche comme le nôtre, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a des manifestations d'intérêt qui sont importantes. Et on est également accompagné. Donc, il y a déjà des gens qui nous font confiance sur l'écosystème nantais, comme l'incubateur de Centrale, BPI France, le réseau Entreprendre et Atlantpôle. En termes d'équipe, alors, j'ai listé tout le monde par ordre alphabétique de prénom. On est une équipe particulièrement technique pour le moment, avec des ingénieurs de recherche et de développement. Et donc, moi, j'en suis le fondateur. Je suis plutôt typé industrie et BTP à la base. Alors, nous comptons sur votre soutien via WeDoGood pour réunir un minimum de 60 000 euros qui vont être utilisés à deux fins principales. Déjà, de sécuriser notre lancement de la première version de ScanSap qui est prévue cet été et également de recruter un profil purement commercial, hein, donc de business developer qui sera à 100% vraiment sur les aspects développement et vente. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à vous. Merci beaucoup Yann. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Tu peux arrêter de partager ton écran si tu veux, comme ça on pourra te voir en plein écran. Oui. Alors, je vois déjà des questions. Les clients cibles sont des entreprises du BTP. Est-ce que vous avez le droit de donner le nom de certains testeurs ou c'est confidentiel? Non, c'est pas confidentiel. En fait, c'est pas confidentiel. Il y a Airbus. Il y a le groupe GEA qui intervient en froid industriel. Il y a, alors là c'est confidentiel, un bureau d'ingénierie agroalimentaire qui est en train de l'utiliser. Et à côté de ça, nous avons une douzaine de testeurs. Alors j'ai même oublié les noms de leur entreprise parce qu'en fait ils vont de Nouvelle-Zélande jusqu'au Canada. Il y en a un qui est en Israël, un autre en Belgique. Et ce sont des sociétés plutôt pointues. Voilà. Et en deuxième question, quelle taille de chantier visez-vous? Alors, dans un premier temps, on vise une cible plutôt industrielle parce que les industries se modernisent très régulièrement. Elles ont besoin de faire évoluer leurs lignes. Donc, on est d'abord sur une clientèle qui a plutôt des sites importants. Voilà. Alors, eux, ils ont absolument besoin de sécuriser leur chantier. Ils ne veulent absolument pas redémarrer leur production en retard. Donc, c'est la première cible. Une fois qu'on aura commencé à faire du chiffre d'affaires avec cette cible et qu'on se sera développé, on va s'attaquer à des chantiers plus modestes. On va commencer à démocratiser un petit peu notre solution. Ok. Et encore une question. Quels sont vos objectifs techniques à moyen et long terme? Alors, là, on lance un... Alors, ce sont bien des objectifs techniques. Le premier produit, forcément, ce qu'on appelle un MVP, le produit minimum viable, embarque un certain nombre de fonctions, mais qui sont stables, qui marchent bien. Maintenant, l'objectif à terme, c'est de rentrer sur des fonctionnalités beaucoup plus avancées, en particulier des fonctionnalités qui permettent de remodéliser complètement, de façon quasi automatique, en fait, l'environnement qui a été scanné en une maquette numérique. Donc là, moi, j'ai une de mes personnes qui va démarrer une thèse chiffres dans ce secteur, parce que là, on touche à des domaines assez compliqués. On touche au machine learning, donc l'apprentissage machine.
intelligence artificielle, voilà, on est quand même sur un sujet qui est extrêmement technique. Pour être très honnête, je pense que notre société, bien qu'elle soit pas connue, qu'elle fasse pas encore beaucoup de chiffres, on doit faire partie des 5 sociétés les plus pointues du domaine dans le monde à l'heure actuelle. Okay. Donc, les objectifs sont ambitieux. Merci. Peut-être une dernière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Vous pouvez aussi les poser à Laura, alors n'hésitez pas si vous voulez. Alors, tarif des produits. Le tout premier produit, le produit minimum viable, c'est un produit d'appel qui sera à un tarif mensuel d'à peu près 200 euros. Alors, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup. C'est pas beaucoup pour un industriel. Maintenant, on peut toucher avec ce tarif-là tout l'écosystème des entreprises qui travaillent en lien dans les chantiers industriels. Donc, le tout premier sera ce tarif-là. Et le produit phare qui embarquera des fonctionnalités d'apprentissage machine, lui, on sera plutôt sur un tarif avoisinant les 900 ou les 1000 euros par mois. Mais ce produit n'arrivera pas avant une bonne année. Ok. Et est-ce que votre solution peut aussi s'appliquer aux villes et aux collectivités, notamment au travers de modernisation, Smart City, etc.? Tout à fait. En fait, nous, on récupère des données qui, à la base, sont des scans de bâtiments, des bâtiments de toute taille, mais ça peut trouver un intérêt dans de l'urbanisme, puisque ça reste une donnée de scan. Ça s'appelle du nuage de points 3D. Donc, on peut tout à fait l'appliquer à une ville. Une chose que je n'ai pas eu le temps de présenter avant, c'est l'ensemble des fonctionnalités, bien sûr. Mais en fait, grâce à notre solution, que ce soit une ville ou une usine, peut intégralement cartographier ce qui a été scanné avec des tags avancés, multichamps, hiérarchisés, et qui permettent de littéralement, alors je vais utiliser un terme un peu sophistiqué, sémantiser l'ensemble de l'environnement qui a été scanné avec des informations extrêmement riches. Donc oui, ça peut tout à fait être utilisé pour même phaser des chantiers dans le domaine de l'urbanisme. Ok. Et une dernière question. Pourquoi avoir choisi We Do Good et les royalties? Ah, pourquoi avoir choisi? Alors, c'est une question de We Do Good ou c'est une question de... C'est une question de We Do Good, mais qui peut intéresser notamment ceux qui sont arrivés après, qui n'ont peut-être pas entendu la présentation des royalties au tout début. Alors, il y a une première chose. Bon, déjà, moi, We Do Good, je connais cette entité depuis des années, puisque je connais une société qui est passée par là, qui s'appelle Block in Block, que je connais très bien. Donc, il y avait déjà une sorte de gage de confiance de ma part vis-à-vis de We Do Good. J'ai décidé, moi, d'ouvrir cet investissement plutôt à des particuliers qu'à de gros investisseurs. Ça peut paraître bizarre sur un projet technologique comme le mien, mais en fait, c'est cohérent parce que pour le moment, nous, on veut garder la maîtrise en fait de notre développement. Et si on avait fait rentrer un business angel classique, je pense qu'on se serait un petit peu dénaturé. Donc, on est quand même sur un projet également quand même assez éthique et avec un impact positif, même si cet impact est un peu indirect. Hein, on joue sur la qualité d'un chantier et sur le fait qu'on y perde un peu moins d'énergie. Et on a trouvé que passer par We Do Good et faire participer le plus grand public possible, c'était une bonne idée. On ne s'interdit pas une vraie levée de fonds d'ici un an si vraiment on a besoin de se développer beaucoup. Mais en tout cas, c'était notre choix initial, c'était de passer par We Do Good pour ces raisons-là. D'accord, merci beaucoup. Donc, on passe au troisième et dernier projet de ce soir avec Julien et la tribu. Bonjour à toutes et à tous. Attendez, je vais partager du coup mon écran pour que vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Super. Et écoutez, je suis ravi d'être ici ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien et donc je suis le cofondateur de La Tribu. Alors La Tribu, c'est une marque alimentaire participative et responsable qui génère de l'impact de la graine jusqu'à l'assiette. Alors bon nombre d'entre vous vous demandez certainement d'où est née cette idée. Alors en fait Thibaut, donc mon associé,
Et moi, on se connaît depuis longtemps, on a toujours eu envie de monter une entreprise ensemble. Et puis, après avoir séjourné plusieurs années au Mexique, pour sa part, en Afrique de l'Ouest, pour la mienne, on a voulu se lancer dans une aventure. Et il y a 2 ans, les étoiles étaient visiblement alignées, puisque voilà, on a décidé de lancer la tribu dans l'esprit de pouvoir permettre à nos proches, à l'origine, donc c'est-à-dire nos voisins, nos amis, la famille, de pouvoir, et puis tout consommateur qui se retrouvait dans notre ADN, de pouvoir se réapproprier les produits du quotidien avec une traçabilité de bout en bout, depuis les producteurs qui les cultivent dans d'autres pays, jusqu'à notre assiette. Un petit peu à l'image des achats groupés que bon nombre d'entre vous peut-être connaissent déjà. Bref, en gros, l'idée, elle était très simple, c'était de rapprocher d'un côté des producteurs et de l'autre des consommateurs autour de produits de grande qualité et qui changent le monde, si c'est possible. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est possible. Pour mettre en place ce projet, eh bien, ça a été finalement très simple. On a tendu le micro, tout simplement, à nos proches pour qu'ils nous disent ce qu'ils attendaient d'une marque d'épicerie idéale. Et en fait, progressivement, on a monté avec eux un cahier des charges engageant à impact. Et quelques mois après, eh bien, on lançait nos premiers produits. Après être parti à la rencontre des producteurs au Pérou pour lancer notre première gamme, on l'a lancé en crowdfunding. Et en fait, à ce moment-là, c'est là qu'est née la tribu. C'est là qu'est née la marque qui crée des produits alimentaires qui répondent aux nouvelles attentes de traçabilité, de compréhension et d'impact positif sur la société et l'environnement. Alors, vous l'aurez compris, en tout cas, je l'espère, notre ambition, c'est de créer de l'impact positif, en tout cas un maximum d'impact positif. Et je ne sais pas si vous savez comment ça s'imagine finalement, mais nous, on l'a trouvé très rapidement. Ça s'imagine en fait en engageant toute notre communauté autour de nous pour créer les piliers qui définissent notre engagement. Et ces piliers, ils sont au nombre de 3. Je vais vous les énoncer parce qu'ils sont très importants. Et ils répondent notamment à quelque chose qui est crucial pour nous, c'est que ça répond aux engagements de ce que doit être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous sommes une entreprise... On est toujours à la première slide, on ne voit pas... Tout à fait, j'y arrive. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et à ce titre, ces piliers sont cruciaux pour nous. Le premier, ce n'est qu'une image, mais il s'agit de la protection de l'environnement. Le deuxième, il s'agit de protéger des personnes vulnérables. Et le troisième, c'est le développement territorial en France, puisque nous sommes une marque Made in France. Je vais revenir sur ces images et je fais exprès d'utiliser que des images pour faire ressortir l'essence de leur message. Cette première image, je me défie n'importe qui de me dire, peut-être, ou on en discutera tout à l'heure, de ce que c'est cette image. Mais je vais vous le dire en fait, il s'agit d'un champ de café cultivé en agroforesterie. Et ça, c'est là que sont cultivés nos produits. Alors, pour nous, du coup, ce premier pilier, la protection de l'environnement, il est crucial parce qu'on s'engage autour de produits issus de l'agriculture biologique. Et pour nous, c'est ça, l'agriculture biologique. On s'engage également autour d'un programme de reforestation pour former des agriculteurs à des méthodes de culture durable. Et ce que vous voyez là-dessus, ce sont donc des champs de café qui poussent sous des arbres. Et c'est comme ça qu'on crée l'agriculture de demain, pour nous. Le deuxième point important, c'est de protéger les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, ce sont aussi des coopératives de producteurs issus du commerce équitable. Vous avez sur cette photo, finalement, 3 générations de producteurs. Le fils en arrière-plan, le grand-père au milieu, et puis le père au premier plan. Ce sont 3 générations de producteurs avec lesquels on travaille au Mexique, notamment une nouvelle filière qu'on est en train de lancer en ce moment même. Et puis, c'est également la protection des personnes vulnérables, quelque chose que l'on fait au travers de l'insertion de personnes en situation de handicap avec un ESAT avec lequel on travaille sur le conditionnement de nos produits et la logistique. Et puis, le dernier point, c'est le développement territorial. Parce qu'en fait, nous sommes une marque Made in France à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'on travaille main dans la main avec un réseau aujourd'hui de 60 partenaires magasins, des magasins bio, indépendants, qui transmettent nos valeurs. Et vous avez là un de nos premiers magasins, nos 2 premiers commerçants avec lesquels on a commencé à travailler l'an dernier en Ile-de-France. Depuis, la famille s'est agrandie. Le deuxième point, c'est l'ancrage territorial parce qu'on travaille avec des PME en France qui nous apportent leur savoir-faire pour transformer nos produits. Un café, ça se torréfie. Demain, un cacao, ça se transforme en tablette. Et ça, on veut faire appel à un maillage local en France pour nous accompagner sur le sujet. Pardon, hop là, excusez-moi. Et le dernier point, eh bien, écoutez, c'est très simple, c'est le financement participatif finalement. Avec notre communauté de consommateurs, aujourd'hui, on a une communauté autour de nous de 8000 personnes qui nous soutiennent tous les jours pour faire grandir notre initiative. Et c'est grâce à eux, et par exemple au financement participatif qu'on a aujourd'hui, qui se fait en France, que l'on arrive à grandir. Alors voilà, ces 3 points, je me permets de les répéter, mais ils sont super importants. La protection de l'environnement,
la protection des personnes vulnérables et le développement territorial en France. Ce sont nos trois fondements, parce qu'on protège la nature, mais on protège également l'humain. C'est notre raison d'être. Alors, je fais une petite pause pour vous, parce que je pense que là, je vous ai dit qui l'on était. Mais ce que je vous propose, c'est d'avancer maintenant sur ce que l'on a fait, nos acquis et là où on veut aller. Et ça sera très bref. Aujourd'hui, concrètement, la tribu, écoutez, en 18 mois d'existence, on a réuni autour de nous une communauté de 8000 personnes, des consommateurs qui nous aident à créer le futur de notre marque. On a lancé la commercialisation de 4 produits qui nous ont permis de générer 40 000 euros de chiffre d'affaires à date. On prépare le développement de nombreux autres. Ils ont tous été élus par la communauté de nos consommateurs. Et donc, la tribu, c'est aussi de l'impact. C'est plus de 600 petits producteurs qui sont soutenus par notre activité. Ça n'est pas rien. C'est une équipe de 5 personnes en situation de handicap qui sont formées au conditionnement de nos produits. C'est significatif à notre échelle. Et c'est plus de 250 arbres qui ont été plantés au Pérou grâce à notre programme de reforestation. Et ça, ça n'est qu'un début. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est accélérer notre développement. Et pour ça, nous sommes à la recherche de fonds pour nous financer. On est à la recherche de fonds et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur la campagne, sur cette campagne en royalty sur We Do Good avec un objectif de 110 000 euros. Ces 110 000 euros, ils vont nous aider à nous développer autour de 4 volets ultra cruciaux pour nous. Le premier, étoffer une gamme de cafés de spécialité. Le deuxième, développer notre présence en magasin avec des enseignes bio spécialisées en France. Le troisième, c'est d'augmenter nos effectifs autour de compétences clés, le marketing et la vente notamment, ainsi que le sourcing et la logistique. Et le dernier point, c'est d'utiliser notre expertise acquise sur le café de spécialité, sur le sourcing, la distribution et l'émergence en tant que marque forte, pour dupliquer ce modèle vertueux sur d'autres produits bio, le thé, les épices, le chocolat, et puis pourquoi pas des produits français. Alors, vous l'avez certainement vu, on est aujourd'hui en campagne de levée de fonds. Et il me reste à dire que ce lancement, écoutez, on en est extrêmement satisfait. C'est un véritable succès. Après avoir pu mobiliser plus de 300 évaluateurs autour de notre campagne qui nous ont donné une note favorable aujourd'hui en seulement 15 jours, eh bien, on a déjà collecté un minimum de fonds super importants qu'on cherchait à lever, soit quasiment 55 000 euros. On cherche, du coup, on compte sur vous pour rejoindre cette aventure. Puisque sans vous, cette aventure collaborative, elle ne serait nulle part. Et aujourd'hui, voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention. Je suis à votre écoute, du coup, pour répondre à vos questions. J'espère ne pas trop dépasser le timing imparti. Merci. Merci, Julien. Désolée de t'avoir interrompu pendant le pitch. J'avais peur qu'il y ait un blocage au niveau technique, mais c'était très bien. Première question, action écologique, 250 arbres plantés au Mexique, bravo, quelles actions écologiques faites en France ? Aujourd'hui, l'action écologique que nous, on mène, et c'est notre combat, il est de mener cette action écologique, notamment aux pays sur lesquels on produit, on a nos produits. On a, pour être tout à fait transparent, puisque nous sommes une marque transparente, à l'époque, on avait pu, pourquoi pas, hésiter aussi à avoir ces plans de reforestation en France, mais on s'est dit que c'était peut-être dénué de sens par rapport à notre activité. Notre activité, aujourd'hui, elle est de pousser nos produits dans des pays producteurs et de pousser, du coup, ce plan de reforestation dans les pays producteurs. Aujourd'hui, nos producteurs, ils ont déjà fait le grand pas vers le bio, vers l'agroforesterie notamment, ou des projets de permaculture. Notre job, il est de pouvoir montrer à d'autres producteurs proches de leur localité que ce mouvement est aussi possible. Nos produits sont des produits qui ne sont pas cultivés en France et qui viennent d'ailleurs. Notre job, c'est de pouvoir accompagner des producteurs similaires à ceux avec lesquels on travaille pour leur montrer que ce mouvement est possible et rassembler plus de producteurs autour de nous. À ce stade de notre développement, en tout cas, notre priorité a été d'avancer avec ce type de partenariat à l'étranger. Alors, on ne travaille pas seul sur ce projet-là, hein, on travaille avec une association qui s'appelle Envolver et qui, elle, en revanche, je vous invite à la découvrir pour ceux que ça intéresse, je pourrais en discuter avec certains si ça les botte. En tout cas, ils ont aussi une activité en France. Donc voilà, ce n'est pas dénué de sens. En tout cas, nous, on travaille avec les pays producteurs à ce niveau-là. Ok. Une question qui est à la fois pour toi et pour Marie. Est-ce que c'est possible de trouver les produits de la tribu sur Cocotte? Pas encore, mais je pense qu'on a des pistes de développement ensemble. En tout cas, on en serait ravis parce que visiblement, j'écoutais avec grande attention tout à l'heure la présentation de Marie et je pense qu'on a une carte à jouer ensemble, bien évidemment. Aujourd'hui, vous retrouvez nos produits dans une soixantaine de magasins indépendants bio, ainsi que sur des plateformes de marketplace en ligne et sur également notre site en propre. Donc,
Nos produits sont déjà distribués, notre activité tourne, on génère déjà du chiffre d'affaires à notre échelle. Ok. Comment co-construisez-vous les produits avec votre communauté exactement? Est-ce que vous avez des questionnaires, des tests? Oui. Alors, on effectue ce travail à plusieurs niveaux. Ce que l'on fait, en fait, et d'ailleurs, c'est une campagne qui est active en continu. Si vous vous rendez sur notre site internet, www.la-du-6-tribu.co, vous verrez qu'on a des campagnes en fait, de vote pour nos futurs produits ouvertes en continu. Ça veut dire que une marque participative dans notre vision des choses, ça se construit avec notre communauté. Et à partir de ce moment-là, c'est notre communauté qui décide des futurs produits qu'on lancera. Alors après, notre communauté nous fait confiance parce que, un petit peu peut-être à l'image d'un label, mais finalement d'une marque avec plein d'engagements, notre communauté nous fait confiance par rapport à notre cahier des charges, parce qu'on l'a défini ensemble. Et donc derrière, l'idée n'est pas tant sur les attentes en fait en termes d'engagement. Nos piliers sont très clairs, on les a énoncés depuis le début. C'est plutôt de les embarquer sur quels sont les produits qu'ils voudraient qu'on lance ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engouement réel parce que notre communauté, eh bien, elle nous envoie des contacts de magasins qui sont tentés par notre aventure et pour qu'ils nous retrouvent à proximité de chez eux. Et quand ils sont à l'étranger, ils nous mettent en contact avec des filières de producteurs. Bref, on voit que finalement, cette mayonnaise prend et puis il y a l'effervescence. Tout le monde se joint à nous à plusieurs niveaux de notre développement, même sur des compétences clés parfois, etc., avec grande bienveillance. Donc, on est très heureux. Ouais. Donc, la co-construction, ça se fait au niveau des produits, mais au niveau de plein d'autres choses. Il y a plein de niveaux. Est-ce que ça... Il y a une autre question. Quelles sont vos quantités de ventes aujourd'hui? Franchement, donc la question d'Abdelmalik, c'est difficile de vous répondre précisément à Abdelmalik parce qu'en fait, notre croissance se fait en continu. Pour vous donner un exemple, on vient de compter 5 nouveaux magasins qui viennent de rejoindre l'aventure la semaine dernière seulement. Donc en fait, le chiffre de 60, il est déjà obsolète. Aujourd'hui même, on vient de signer 2 nouveaux partenariats avec 2 nouveaux magasins. Donc voilà, la croissance en fait, elle est exponentielle. On a fait la dernière production, par exemple, de café de spécialité qu'on a faite le mois dernier, c'est 4 fois ce qu'on faisait au même mois il y a un an. Donc finalement, voilà, si vous voulez des données sur les quantités de ventes et nos projections, moi je peux vous inviter à entrer en contact à ce moment-là, ou par mail, ou je ne sais pas trop, ou peut-être regarder aussi dans la campagne, c'est des éléments qu'on met en avant, mais sachez que voilà, ça grandit très rapidement. Toute petite parenthèse, c'est vrai que Yann, Marie et Julien, vous pouvez mettre une adresse de contact si vous souhaitez. Alors, il y a bien sûr moi, je reposte les liens des levées de fonds, mais vous pouvez aussi mettre une adresse de contact si vous souhaitez pour que les gens puissent continuer à échanger avec vous s'ils souhaitent rentrer plus dans le détail, s'il y a des questions qui leur reviennent un petit peu après. Parenthèse. Ouais. Bon, voilà, c'est chose faite. Il y a d'autres questions, du coup. Effectivement, il y a d'autres questions par rapport aux quantités de vente et aux magasins où on peut trouver les produits. Les magasins dans lesquels on peut trouver des produits aujourd'hui sont des magasins spécialisés dans le bio. Pourquoi Alors, on ne travaille pas avec de grandes enseignes pour le moment. C'est dans nos perspectives de croissance. Aujourd'hui, on a décidé de tester le marché. On veut avancer en connaissance de cause. On est des personnes de terrain avec Thibaut sur des spécialités différentes, moi sur le plan commercial, lui sur le plan produit, développement produit et sourcing. L'idée, elle est d'aller voilà, pas à pas. Et aujourd'hui, on a testé le marché avec ses premiers partenaires. C'est des indépendants du bio, des structures qui sont de 50 mètres carrés en pleine région parisienne ou en plein Paris jusqu'à 300 mètres carrés en province. Il n'y a pas de typologie, si ce n'est que ce sont en général des magasins plutôt militants auxquels il tient à cœur forcément de transmettre aussi notre ADN, ils le partagent et je pense qu'aujourd'hui, voilà, notre stade de développement, c'est les meilleurs partenaires sur lesquels on pouvait compter. Ça se fait bien et on a déjà le fruit de notre travail ensemble puisque c'est pas tout de pouvoir rentrer dans un magasin, mais le plus important, c'est de pouvoir faire des réassorts et d'avoir aussi des rotations intéressantes. Aujourd'hui, ça porte ses fruits, donc on en est pareil, on est extrêmement satisfait et d'avoir fait ce choix de partenaire. Ok. Et en termes de volume de vente, du coup, vous êtes à combien aujourd'hui? Notre objectif cette année, j'ai plutôt parlé d'objectif l'an dernier, en l'espace voilà, de notre première année de lancement, on a fait quasiment 40 000 euros de chiffre d'affaires. L'objectif cette année est d'aller toucher les 130 000 euros de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est d'avoir 150 magasins d'ici la fin de l'année 2020. On a subi un léger ralentissement pendant la crise du Covid, non pas sur le chiffre d'affaires qui a lui énormément été accéléré,
parce que nos magasins partenaires ont explosé. En revanche, dans le sens positif, en revanche, aujourd'hui, on rattrape un petit peu le coup au niveau du développement de notre réseau. Donc voilà, je m'y attelle personnellement. L'idée, c'est de rattraper ce léger manque à gagner pour atteindre notre objectif et de tenir cet engagement à la fin de l'année. Donc 132 000 euros d'ici la fin de l'année, 600 000 euros l'année prochaine et passer le cap d'un million d'euros de revenus à la troisième année. Là-dessus, pareil, on a essayé de mettre ça en image dans notre page. Vous avez qu'à cliquer là, du coup, sur l'écran qui s'affiche que je vous partageais. Alors, je ne sais pas s'il est encore partagé. Je crois pas sur We Do Good. Et vous aurez tous ces éléments-là dans notre campagne. Pareil, n'hésitez pas à m'écrire à ce moment-là si vous voulez plus de projections dans le temps. Je serais très heureux de pouvoir partager avec vous ces éléments très factuels, quoi. Merci, Jean-David, pour le partage. Il y avait une question, mais c'est un peu lié. C'est vos objectifs à long terme. Nos objectifs à long terme, alors je ne sais pas forcément à quel niveau, si je me lance dedans, ça va être en long, en large. Notre objectif à long terme, il est d'accélérer le mouvement sur deux sujets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là sur cette levée de fonds. Cette levée de fonds, elle va nous servir à accélérer le mouvement sur le volet commercial. C'est notre top priorité, c'est d'avoir aujourd'hui un réseau commercial dense partout en France, notamment sur les agglomérations voilà, françaises. Derrière, pourquoi pas de rentrer effectivement sur une ancienne partenaire et de nous aider à monter avec un beau partenariat structurant en France au niveau national. Le deuxième point pour ça, c'est qu'aujourd'hui, on est deux, on n'a pas donc d'ubiquité. On a une troisième personne qui nous a rejoint en stage, mais quand même, nos effectifs sont assez réduits. On a besoin d'embaucher sur ces compétences-là. Au niveau de la notoriété, pour émerger en tant que marque participative, c'est important. Et puis également, au niveau commercial, pour accélérer le mouvement. Le dernier point, c'est sur le sourcing. Pour émerger en magasin, il nous faut des produits. Et pour lancer des produits aujourd'hui, quand on fait sur fonds propres tel qu'on l'a fait aujourd'hui, à l'époque, on s'est lancé avec 10 000 euros. Et aujourd'hui, on quadruple, on n'a pas refait d'injection de capital à l'extérieur. On n'a pas de business angel. Aujourd'hui, on passe par We Do Good, point final. Donc, voilà, pour lancer ces produits-là et faire du sourcing direct avec des producteurs, il faut remplir des conteneurs. Et pour ça, il nous faut de l'argent. Donc, ça va aussi nous aider à financer le lancement des produits en magasin, et d'ailleurs, qui sont déjà très attendus par nos partenaires distributeurs. Ok, justement, quels sont vos prochains produits, ceux qui ne sont pas encore en magasin? Alors, on va construire différents produits. On a des produits qui sont déjà en préparation chez nous. On trépigne un peu d'impatience de les lancer, mais notamment sur des tablettes de chocolat cultivées en permaculture. Pareil, au Pérou, une origine qu'on a visitée, mais qu'on n'a toujours pas lancée. Mais le principal, et je vais me concentrer dessus, parce que c'est ce qui fait l'objet aussi de notre BP, c'est de pouvoir se concentrer sur une gamme pertinente de cafés de spécialité qu'on fait en sourcing direct avec nos producteurs. Ça va nous permettre d'asseoir une fiabilité au niveau du sourcing, c'est-à-dire identifier nos partenaires, comment on le fait, comment est-ce qu'on met en place des filières, comment on accélère notre développement. Derrière, en France, comment est-ce qu'on émerge en tant que marque à notoriété et comment est-ce qu'on construit un réseau de magasins distributeurs. Parce que si vous arrivez dans des magasins avec plein de produits différents, vous êtes éparpillé à travers le magasin et vous avez moins cette force de frappe. Alors que du coup, lorsqu'on vous arrivez avec une belle gamme, eh bien, au moins vous émergez réellement en rayon. Votre communauté, vos consommateurs, ils vous achètent et derrière, vous êtes fiable. Vous pouvez rentrer sur des échelles de distribution plus importantes. Donc d'abord, café de spécialité, ça ne nous empêche pas de lancer des nouveaux produits en marge. Et ensuite, on dédoublera ce modèle sur d'autres produits et c'est pour ça qu'aujourd'hui on lance des votes dès à présent. Ça nous aide à prendre de l'avance sur le sourcing des futures filières. Ça marche. Et du coup, Marie, je profite si la tribu voulait présenter ses produits sur la cocotte, ce serait quoi les étapes? Alors, il y a simplement à s'inscrire sur Cocotte. Nous, on regarde donc forcément la boutique, ses caractéristiques, et puis à mettre ses différents labels, ses différentes caractéristiques de produits. Et puis c'est parti. Mais on serait ravis d'avoir la tribu sur Cocotte, ça c'est sûr. Bon, c'est génial. En plus, on peut donner des partenariats. C'est génial. Ça fait longtemps qu'on suit aussi Cocotte et voilà. Il faut qu'on nous un contact avec vous également. Avec plaisir. On arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'on peut éventuellement faire juste un petit mot de la fin pour chacun? Si vous devriez dire quelque chose aux participants qu'on a aujourd'hui pour les convaincre à embarquer dans l'aventure, ce serait quoi? Du coup, on peut commencer par Marie. Avant tout, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, si je peux vous convaincre de participer sur Cocotte, c'est si vous souhaitez changer un peu les modes de consommation
et bouleverser le commerce en ligne, la solution, c'est peut-être Cocotte. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Merci. Merci. Yann ? Ouais, celle-là, je ne l'avais pas préparée. Oui, écoutez, pour le mot de la fin, je dirais que bon, nous, on est sur un projet qui est quand même un peu atypique, sur une technologie qui n'est pas forcément très connue du grand public, mais qui a un devenir extrêmement important. Donc, on est quand même un peu sur un pari technologique, mais avec une tendance qui est en train de s'afficher. Et nous, on milite spécialement pour des chantiers qui sont quand même plus raisonnés. On milite également pour une meilleure sobriété numérique parce que nous, on focalise nos efforts également sur des développements qui tirent le meilleur parti de configurations d'ordinateurs moyennes. Donc, en fait, on est vraiment sur un gros travail de fond. Ça reste du numérique, mais c'est un numérique qui est quand même très raisonné et qui va dans le bon sens. Donc, voilà, pour ceux qui sont des adeptes de technologie et de moutons à cinq pattes, mais qui auront leur place sur le marché, je les invite à nous rejoindre. Super. Et Julien, du coup ? Moi, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez rejoindre aujourd'hui une entreprise qui est en train d'essayer de prouver qu'on trouve des solutions pour créer l'avenir de l'alimentaire, vous avez l'attribut qui est face à vous. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu du siècle et les derniers événements, aussi malheureux qu'ils soient, nous le prouvent. L'alimentaire, c'est l'enjeu de ce siècle et c'est seulement, je pense, et j'en suis persuadé, en soutenant des filières et d'avoir des techniques aussi d'agriculture durable, de serrer les coudes entre humains, que ça permettra de faire la différence. Donc voilà, nous on a pris un vieux business, hein, c'est celui du commerce, mais par contre on essaie de le transformer en entreprise résiliente. Et si vous également vous souhaitez participer à une initiative qui parfois peut nous dépasser par l'impact qu'on veut avoir au travers de notre vie, et ben sachez que voilà, nous on est là pour vous épauler. Et il paraît que plus on est fou, plus on rit. Donc la tribu est là pour vous accueillir. Merci à tous les trois. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que on parlait au début du fait que c'est risqué évidemment d'investir dans des entreprises qui démarrent. C'est le cas. Mais sans risque, en fait, on n'a rien. Aujourd'hui, vous avez trois entreprises. Aujourd'hui, vous avez trois entreprises qui, trois entrepreneurs, trois membres d'équipe d'entreprise qui se sont lancés dans le grand bain de l'entrepreneuriat, qui ont lancé leur projet, qui y croient. Ils ont besoin de soutien aussi. C'est un soutien qui est équitable, en tout cas dans un modèle que We Do Good a énormément travaillé pour le rendre équitable. Il y a évidemment du risque, mais c'est aussi ce risque qui permet que ces projets-là puissent décoller, puissent avoir un impact au niveau économique, social, environnemental. Et je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de rappeler le contexte, mais on est quand même au début d'une grosse crise économique et on va avoir besoin de nouvelles initiatives, on va avoir besoin de penser très vite à comment on agit après. Et faire face à une crise économique, c'est aussi soutenir des entrepreneurs qui vont eux-mêmes créer de l'emploi, qui vont permettre à d'autres entreprises de se développer, qui vont permettre à des entreprises d'optimiser leur processus, qui vont permettre de faire des économies d'énergie, qui vont réduire les déchets. C'est le cas pour les trois projets aujourd'hui, ils sont engagés sur ces différentes dynamiques, ils vous l'ont montré. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à prendre des risques avec eux, dans la limite de vos moyens, évidemment, il faut faire attention à ce que ça ne mette pas en danger, mais c'est vraiment important de garder en tête qu'en fait, sans le soutien de personnes comme vous, ces projets-là ont plus de difficultés à aller plus loin. Et on a besoin que ces projets avancent pour qu'on vive dans une société qui nous convienne. Et donc aujourd'hui, on a trois projets qui ont pu présenter leur projet. Mais demain, l'idée, c'est qu'on puisse vous présenter de nouveaux projets dans ce type de format d'événement. Et aujourd'hui, sur la plateforme, on en a déjà plusieurs qui sont en évaluation sur différents types de sujets, toujours l'agriculture, mais vous avez aussi l'entrepreneuriat, les énergies renouvelables. Il y a vraiment une diversité assez importante de secteurs d'activité. Donc, ce que qu'on vous invite aujourd'hui à faire, c'est d'aller les découvrir et les évaluer, parce que ce sont vos évaluations aujourd'hui qui vont aussi nous permettre d'identifier quels sont les projets les plus pertinents pour une prochaine session de pitch en ligne.
Et on est très content d'avoir tenu le timing. Alors, les entrepreneurs ont fait un bel effort pour réussir à être dans les clous. C'est forcément court. Vous avez probablement envie d'en savoir un petit peu plus. Les présentations sont là. Vous avez leur adresse mail de contact. Et puis, évidemment, cette visioconférence a été enregistrée. Donc, vous pouvez la retrouver. Et on vous renverra aussi les informations clés pour suivre et passer à l'action. Parce que c'est ça qui est important à la fin, c'est aussi de passer à l'action, accompagner ces entrepreneurs dans leur aventure. Merci à tous et à toutes. Très bien. Merci. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.